Une bonne nouvelle pour les personnes dites en situation de précarité énergétique, en clair les familles défavorisées. Ce matin, EDF et l'association Régie Service ont renouvelé leur convention de partenariat dans les locaux de l'association troyenne, objectif étant de faciliter le conseil et l'information des personnes concernées en identifiant au plus tôt les familles en difficulté. Écoutez les précisions de Patrick Lesec, il est directeur des partenariats solidaires pour EDF Grand Est. De mon point de vue, le point le plus important dans cette convention, c'est le rôle attendu des médiateurs pour rétablir le contact entre EDF et un client qui est en situation d'impayé et qui ne réagit pas à nos demandes de contact. Et c'est vraiment une mission essentielle des médiateurs, parce que lorsque le contact du médiateur aboutit avec notre client, il est certain qu'une solution sera trouvée et la suspension de fourniture sera évitée. Et notamment, c'est par le biais de ces partenariats que nous avons pu diviser par 7 le nombre de suspensions de fourniture pour impayés en 15 ans.